Bonjour tout le monde, c'est Tige, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Two Point Campus. Nous allons chercher les étoiles aujourd'hui. On va chercher les étoiles, on est toujours dans le tuto, je pense. On va essayer de finir le tuto aujourd'hui. Nous avons une petite tâche qui est valider un cours de normalité virtuelle avec une note de C. J'ai un petit succès qui a pop, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je suis content car j'aime les succès. Les succès, c'est la vie, même si ce sont que des petites vignettes. C'est toujours plaisir d'en avoir. Donc, il faut qu'on valide un cours donc de cette normalité virtuelle. Nous avons deux tâches, box d'archives, débloquer contre... Ben, on va le débloquer, on va le mettre en place. Donc, la bibliothèque est là. On va mettre donc ce qu'il nous demande. Hop, faut pas oublier qu'il faut que nos pensionnaires soient heureux. Je savais que je l'aimais, j'ignorais juste à quel point. Un bond de l'amour. Il me reste encore des clients, je pense. Donc le bond de l'amour qui va là, on va le mettre là. Welcome in, it's DJ Shorts on campus radio, keeping it short. Ça fait joli, hein. Franchement, j'aime bien pouvoir construire comme ça. Je sais pas... Ah, je peux pas le mettre là. Pourtant, c'est exactement pareil qu'en face. Ah, attendez. Bon, ça sera un peu reculé, ça va là. Alors, le cours est en train de s'en faire, comme vous voyez, 57%. On va continuer à faire les tâches. Box de lecture, on va placer. Voilà, on empile. Tant qu'il y a de la place. Allez, il me faut une note de C, s'il vous plaît. Une note de C, une note de C. Terminé, parfait. Ça m'énerve par contre, la vérité que j'en ai. Taux de bonheur moyen 60%, 59, allez, 60% et une première étoile. Ok. Nouveau campus débloqué, la Piazza La Natla. Cela doit être horriblement passionnant pour vous. Les citoyens de Fraise High ont désormais une deuxième chose dont ils peuvent être fiers en plus de leur canal. Bravo à eux, félicitations, etc. Mais évitez la suffisance. Ce n'est que votre premier campus et franchement ça se voit. Nouvel élément débloqué, on a le hot dog, le stand à café, la fontaine baleine. On vient de gagner 10 000 dollars et 250 kudos. Moi je veux les deux autres étoiles. Moi je suis comme ça, j'aime les étoiles, je veux des étoiles. Donc il faut que notre campus soit niveau 9, il faut gagner 150 000 dollars, un taux de réussite de 70% et 10 objectifs personnels. Alors, pour monter le campus, honnêtement, là il est 7. Pour le monter, je crois qu'il faut simplement construire à l'intérieur. Et on va faire un truc assez sympa, assez stylé. On va commencer déjà par mettre une nouvelle résidence universitaire à côté. Ah oui, il faut rester appuyé, autant pour moi, je vous le dis à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà. Niveau de campus 6. Ah, il n'y a pas que. Du coup. Ok. Mur non valide. On met ça là, on met un petit bureau, parce qu'ils ont besoin de travailler, on met le petit placard qui va avec. Comme ça, la poubelle, le petit panneau pour leur monter le moral, voilà, et bien sûr une plante, parce que ça rapporte beaucoup, vous voyez, c'est énorme.
On va aussi mettre pas grand chose parce que là c'est des cudos. Donc je vais attendre que les. Je vais attendre. On valide la salle est faite, résident. Voilà, résidentée. Voilà, la montée. Je sais pas si c'est grâce à moi ou pas. Taux moyen résident 70%. Donc il faudrait que je construise d'autres. Ok, on va faire une autre résidence universitaire ici. Tout doux, ça suffit, mais on va faire un truc propre. 3-2. On va mettre un lit comme d'hab. Une armoire. On va faire un agencement un peu différent. Ah non, l'armoire, je vais pas la mettre là parce que. Mince, je vais plutôt la mettre là. Là, parce que comme ça, là, je vais mettre une. Voilà. Le bureau, comme d'hab. Très important. La poubelle aussi. On met la petite plante qui va avec dans le coin là. J'ai pas encore mis la porte, je crois. Voilà. Tapis disque. Ah, ça fait sympa ça. Voilà. On valide. L'année universitaire est terminée, les résultats sont tombés, la cérémonie de fin d'année va bientôt commencer. Bah écoutez, allons voir. On va afficher les prix, vas-y. Année numéro 2. Taux de réussite 100%, diplômé 0, continuation 30, résultat d'examen 77%, et rien en abandon, expulsion ou échec. Ok. J'ai 20 points de formation. J'aurais tenté. Je peux pas. Non, je peux pas. On va améliorer ça alors. Ok. Prérequis, laboratoire de réalité virtuelle, laboratoire de sciences. Il en faut un autre. Donc une salle, un laboratoire de sciences qu'ils veulent. Ici. Du 5x5. Parfait. On met le truc ici. On met le panneau au fond. Parfait. La petite porte ici. Parfait. On va décorer comme on peut. Le petit distributeur à l'entrée. Très important. Ça, c'est une télé. On peut la mettre là, ouais. Un petit atelier de chimie à côté. La petite plante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi ça? Agrandir, développer. On va prendre ce petit bureau. Parfait. On valide. Campus niveau 7, mesdames et messieurs. On va continuer. On va faire une autre salle d'amphithéâtre. Le problème, c'est que j'ai mis la porte là. Je peux pas la mettre ailleurs. Ou alors, je fais un couloir ici. Ouais, je fais un couloir. Alors, amphithéâtre, ici. Amphithéâtre, c'est du 4x4. Voilà. On met la porte en face. Comme ça, il y a la fenêtre là. Ça, je trouve ça un peu cool. On met... on va faire la même structure que là en face. C'est-à-dire comme ça. À la différence... Non, pas la différence, en fait, aux deux.
arbre 2, on va ajouter ça, ainsi qu'une plante. Voilà, et c'est quoi ça? Ouais. On met la petite poubelle parce que je pense que c'est essentiel. Voilà. Puis un petit poster. On valide. La petite plante, commence à connaître le bail. Petit poster histoire 2, on valide. On est quoi? 418 en 1000 en argent, on est pas mal. Notre niveau de campus est de 9. Ah ouais, le campus c'est ça, ok. Et 70%, ok. Bah écoutez, on va commencer une nouvelle année. Allez. J'ai 10 points. Êtes-vous sûr de vouloir commencer la nouvelle année? Ok. Un parterre de fleurs. Ok, bon, allons-y. Hein. Il y a eu des parterres de fleurs, monsieur. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, un stand à smoothie. Qu'on va mettre là. C'est pas trop mal. Un groupe d'étudiants potentiels s'intéresse à la formation. On va accepter. Un stand à café, vas-y, on va le placer. Ici. Plutôt à côté. Je peux pas à côté. Donc ça sera ici. Ok. Et voilà. Donc on a rempli toutes les conditions. Les étudiants seront plus heureux s'ils partagent leur résidence universitaire avec un minimum de personnes construisées plus de résidences. Ok. Donc il faut plus de résidences universitaires. Je pense qu'on va en faire énormément ici. Alors attendez, je pense qu'il faut que j'achète un terrain là. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre terrain. Ah si, il y a un terrain là. Parce que là... Ça, ça diminue... Écoutez, là... comment on l'achète? Avec bâtiment... Oui, avec bâtiment, oui. Et n'empêche, je suis riche, hein. Vous voyez ? Donc on va attendre que ça se construise. Donc du coup, nous avons acheté ceci. Alors là, on va se donner à cœur joie. On va se donner à cœur joie, tout simplement. Voilà, résidence universitaire. Allez, c'est parti.
Ça, c'est parfait. Du coup, on va partir ensuite sur de la nourriture un peu partout. Donc, genre là, là, là. On va mettre des boissons. Là, là. De la flotte ici et ici. On va mettre un canapé. Là, on va faire une sorte de coin repos. Tac. Tac. De quoi manger ici. Petite plante. Toi-même, tu sais. Et puis voilà. Oh là là, on est qu'à 50%, ils sont de ma gueule. Donc faut faire, apparemment, faut faire très attention au cul d'eau quand même, parce que c'est quand même très difficile à voir. 56% taux moyen de résidence. Oh là là. En plus là j'ai plus de... J'ai plus d'endroit à acheter. Ah si là. Bah écoutez, on va acheter encore. On a un nouveau bâtiment, donc on est reparti sur ce truc-là. Faut atteindre les 70%. Et voilà! La deuxième étoile. Votre campus s'améliore, mais je me demandais pourquoi ne pas l'avoir aussi bien fait dès le début. Son c'est. Il se fout de ma gueule, quoi. Ok. Et donc, pour la troisième étoile, il faut améliorer une formation de niveau 4, 10 cours avec une note de A, un taux de bonheur moyen de 65%, et 10 étudiants diplômés. Mais tout cela sera dans une prochaine vidéo. Parce que là, on a fait, et faut pas croire, mais on a fait énormément de choses. C'est hallucinant quand même. On avait ça, on a dû faire une cité universitaire là. On a amélioré, enfin, on a fait des nouveaux cours ici. Plus une autre cité universitaire, on a fait de la déco et tout. C'est quand même énorme ce qu'on a fait. Pour le coup, bah écoutez, moi j'adore toujours autant. J'aime. Je comprends pas certaines choses, genre le pourcentage, comment il marche encore. J'ai pas encore tout compris comment on fait pour avoir des cudos. Il y a des choses que je comprends pas non plus. Genre les petits symboles sur quoi on clique. Pour savoir ce que veut dire le petit symbole là. Parce qu'il est où le petit symbole là? Ah, il est sur quelqu'un. Sur toi. Sage-parole, vessie de fer. Environnement. Ok. Ouais, non, je sais pas. On est aussi très bien niveau argent. Avec tout ce que j'ai dépensé, on est quand même monté jusqu'à 650 000. On était parti à 450 000 de base, il me semble. Non, non, c'est pas mal. J'aime bien, mais vraiment ce jeu. C'est vraiment très sympa. En tout cas, nous, on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.